Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Sisson. C'est ça, ouais, exactement. Qui va être mon guide pour me faire découvrir alors un des villages fortifiés donc de la vallée de Rardaya. Dans la vallée de Dzab. Dzab, plus précisément. Ouais, merci Sisson d'avoir. Alors, vous, soyez les bienvenus. Hein, je viens de vous recevoir de bon matin avec un gros sourire. C'est gentil, exact. Merci. Et là, on va visiter notre salle, c'est-à-dire la plus ancienne ville de Rardaya, c'est l'Atf. C'est une ville qui a été créée en 1012. D'accord. Et là, c'est là que l'histoire de... Il y a beaucoup d'architectes français, je peux citer les noms comme André Ravero, Pouillon, Corbusier, André Roche, qui ont inspiré l'architecture de Rardaya, l'architecture du Mzab. Voilà. Eh bien, alors, on va aller visiter ça, ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Puis c'est un patrimoine qui est classé universel depuis 1989 par l'UNESCO. Il y a des gens qui vont respecter la hauteur pas plus de certains tribus. D'abord de pas. Particulier donc de la TAF, ouais. Qui est en fait le mausolée de Sidi Ibrahim, qui est le plus ancien, c'est ça? Oui, plus ancien, que ça fait qu'il a comme sa vie 10 siècles à peu près. Hein. Ah oui, c'est un mausolée qui date de 10 siècles. Et du coup, tu m'avais dit qu'en fait, il avait inspiré... Par le Corbusier, là. Le Corbusier s'est inspiré beaucoup de choses par les ouvertures, la lumière, le système d'écho qui se trouve à l'intérieur. Et là, on va rentrer, vous allez prendre des photos à l'intérieur, c'est encore mieux. Ça, comme ça, on vous donne une explication bien pressée. Alors, voilà. C'est ça, on y va, c'est parti. On y va. Mausolée Sidi Ibrahim. Voilà. Too hard. We were drowned in the mountains just to find an loudest tease. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on, so gotta find it first. But here I superbe, voilà. T'as vu la lumière avec cette la lumière intérieure, c'est magnifique. Voilà. C'est surtout on a l'abri de la chaleur, on a l'abri du soleil. Exact, ouais. C'est très frais. Et en plus, vous avez deux rentrées, une rentrée de l'autre côté. Voilà, je suis en train de faire voir la rentrée principale pour les hommes. Les femmes, ils rentrent de ce côté-là, qu'on est rentré. Là, une autre pièce, qu'elle est enfoncée dans le sol, qui se trouve vers le bas. Les femmes rentrent de ce côté-là. Et en même temps, ils s'assoient par terre. Et là, une autre rentrée en haut. Les femmes grimpent, puis s'assoient en haut, à l'intérieur, quelques-unes. Alors, les femmes, ils viennent d'un peu partout. De l'Atf, de Bounoura, de Melika, de Rardaya, ou bien de Benizgen. Ou de l'huile qui se trouve dans la Chebka.
Et c'est un lieu d'échange pour eux, voilà. Il y a de la lumière à l'intérieur. Et maintenant, avec un système d'écho, un amplificateur, hein, vous voyez là, il y a le son qui circule avec la lumière, il y a une petite ouverture. Et maintenant, de la fraîcheur. Et on ne voit pas d'électricité, tu vois. Si on va mettre l'électricité ou des lampes, ça va gâcher l'architecture. On va garder l'architecture comme qu'elle est, tu vois. Qu'est-ce que vous pensez à Zwina? Franchement, c'est magnifique, c'est splendide. Il faut vraiment venir visiter le mausolée de Sidi Ibrahim, vraiment. Ah oui, magnifique. Vous voyez les placards, là? Alors, par rapport à les caravaniers, parce que n'oublie pas, Gardaïa, c'est une plaque tournante. Alors, on s'arrête en dehors, le temps qu'il fait sa petite sieste, le temps qu'il s'est fait sa prière, et il met des objets. Les objets? C'est quoi? Ses chaussures? Non, pas les chaussures. Les objets qu'il transportait sur le chameau, il les dépose. Le temps qu'il fait sa petite sieste, il se repose et continue son chemin vers l'Afrique ou vers le Nord. Parce que n'oublie pas, Gardaïa, c'est une plaque tournante. C'est vers le Sud, vers le Nord. Les ouvertures qui se trouvent en haut, là, c'est pour la lumière. Et maintenant, il y a le soleil qui se permet à n'importe quel moment. Il y a de la lumière, il y a de vent. Extraordinaire. Tu vois, t'as le ciel bleu là. Exactement. Là, ce que vous voyez là, la place de prière. Et en même temps, il y a le mot Edzen. Il y a plein de prières. C'est juste à côté là. Il y a le Mihrab. Là, juste oui. Là. Ouais. Voilà, ça c'est le Mihrab. Vous voyez, et là juste à côté, il y a le mot Edzen, c'est là qu'il y a le moment d'appel de prière, c'est là le cheikh qui appelle le moment de la prière. Donc il se met là? Ouais, comme ça, mais on peut aller remplacer, voilà. Alors, essaye de crier là, Allahu Akbar. Allah. Tu vois là, il y a la voix. Il y a la voix. Il y a vachement d'écho, hein. Ah oui.